Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un dilemme cornélien. Alors le mot cornélien ne fait pas référence à la corneille, mais bien à Pierre Corneille, l'auteur du Cid, vous l'aurez bien sûr reconnu. Lorsqu'on est face à un dilemme cornélien, c'est que l'on a à choisir entre deux options. Mais attention, ce n'est pas se retrouver à choisir entre manger une bonne glace ou un succulent gâteau. Non, car chaque option, chaque possibilité a des inconvénients, de gros inconvénients. Comme par exemple, avoir le cœur brisé ou mourir. Et face à cela, on ne sait pas du tout quoi choisir. Écrivez maintenant dans votre cahier, à la suite des objectifs, votre définition du dilemme cornélien. Je vous dis donc, à vos méninges maintenant !